What's up guys, ici Anthony Daguerre pour le warm-up. C'est la 6e édition. Patrice Bernier et ses amis, on est au Collège Montmorency. Ça se passe live, let's go! C'est la 6e édition. Comment ça se passe, Canada? Ça se passe bien. Écoute, beaucoup de monde comme d'habitude, surtout au floor, dans les estrades où les partisans sont vraiment connectés puis rajoutent de la chaleur au match. Ce qui est nice, c'est que tu peux voir le maire de Laval à ta droite, des humoristes, des rappeurs. Tu as pu rassembler tout le monde dans un événement. Ouais, c'est comme on parle avec Alex, c'est peut-être un des événements qui diversifie de toutes les walk of life du monde, médias, politiques, influenceurs, athlètes. On a les Alouettes. On a Steve Bégin, ancien joueur de hockey. Le soccer rassemble, donc c'est ça la beauté, et puis pour une bonne cause. Qu'est-ce qui se passe? Parle-nous. On perd 1-0! Ça va très mal! Oh! Mais non! Ouais! Et c'est un but! Yo, Myriam, ça te va bien? Écoute, on dirait que tu joues tous les jours au soccer. J'ai joué au soccer quand j'étais très petite, mais moi, c'est plus le basket. J'ai joué longtemps au basket, j'étais même très bonne. OK, mais t'as quand même, t'es en train de gérer pas mal tout ce qui se passe en ce moment-là. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Écoute, c'est une belle façon de supporter la Fondation avec un match comme ça. Moi, je trouve ça toujours important. Si je peux m'impliquer auprès des jeunes, je le fais, donc on est là. Première année que t'animes justement Patrice Pianis, ses amis. Comment tu vois l'ambiance? Comment ça se passe, là? Vraiment, ça me surprend. Je savais pas à quoi m'attendre. Puis les gens sont impliqués. Tu vois que les gens qui sont ici, c'est parce que soit qu'ils aiment le soccer ou qu'ils aiment l'événement en tant que tel. Fait que c'est vraiment le fun de voir que les gens se portent. On the record, they're the hardest working guys out there. Mad respect pour les boys. J'arrive. C'est le fun de voir que les gens se mixent. Puis, c'est juste la preuve que peu importe ce que tu fais dans la vie, que tu sois quelqu'un qui est dans la politique ou quelqu'un qui fait du sport ou quelqu'un qui est un étudiant ou peu importe, tout le monde peut avoir du fun ensemble. Tout ça pour la bonne cause en plus. Tout ça pour la bonne cause. La Fondation Patrice Bernier qui vise à aider les jeunes pour la persévérance scolaire et sportive, c'est incroyable. Fâché là, qu'est-ce qui se passe? Yo, on vient de se faire laver genre deux fois, je suis en tabarnak, Anthony. Moi, je suis pas ici pour genre, oui, c'est le fun, je suis ici pour gagner là. Moi, j'ai parié avec les gens, j'ai parié avec Yacetidon, que si je perdais, je payais une bouteille de champagne. Aïe, aïe, là, je fais une bouteille de champagne, il y a Megan C qui me fait chier depuis genre deux mois, qui me dit genre, on va gagner. Là, date, j'ai tout perdu mes paris, là. Il a perdu, il vient de se faire laver. J'arrête de perdre, Rachid. J'arrête pas de perdre. Quelle équipe déjà? J'avais oublié. L'équipe de merde, là. Attends, est-ce qu'on est en train de voir Rachid Badouri avec des souliers de sans queue? Je sais pas qu'est-ce que les gars... Je sais pas qu'est-ce que j'entendais. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, les souliers? Porsche Design. Quand t'as pas de Porsche, en plus. Qu'est-ce que ça vous fait d'être aujourd'hui présent? Ben, l'objectif, c'est d'encourager les jeunes à jouer au sport, d'accumuler de l'argent, donc d'avoir des gens de tous les domaines, que ce soit la politique, les sports, que ce soit des comédiens, des artistes. C'est le fun parce que ça rassemble des gens de plein de milieux, puis c'est ça qu'on voulait aujourd'hui, donc mission accomplie. Puis on m'a dit que t'es un grand joueur de soccer, c'est ce qu'on m'a dit. Ah, ça c'est des mensonges! Je pense pas que je suis le point fort de l'équipe, mais on est là pour la cause. On a besoin de toi, On est là pour la cause. Merci. Merci. J'aime pas l'ambiance. Le monde pense qu'on est ici pour jouer. Je suis pas ici pour jouer, moi. J'ai fait une assist le premier match. Aucune reconnaissance. Dis-le, bro, dis-le. Aucun rien dans les médias. Maintenant, vous allez voir qu'est-ce que je vais faire sur le terrain. Pas là pour parler, moi. Peace out. Yo, je suis deuxième année, frérot, que t'es au Patrice Bernier et ses amis. Comment ça se passe? Cette année, je suis MVP. That's it. That's it. Comment ça se passe, là? Je sens que t'as de l'énergie. Yo! T'as de l'énergie, hein? J'ai beaucoup d'énergie, comme d'habitude. Vous connaissez mon style. J'ai beaucoup d'énergie parce qu'on est en train de win, y'all. Puis je sais qu'on va gagner anyway, so. Vous savez déjà what's up. Yo, tu sais déjà. Mais moi, je veux un but de ta part, là. Un but de ma part, though? Ça, faut espérer, mais pas trop. MVP ou pas? MVP cette année, t'inquiète. Non, mais là, Chuis m'a dit que c'était MVP, mais il t'arrive. Chuis est même pas venu à l'heure pour commencer. Izias, puis Chuis, ils me disent, les gars, MVP, c'est qui selon toi, là? Chuis est mort dans le film, Izias n'a pas joué, oublie ça. Est-ce que tu penses être le MVP ce soir? Non, absolument pas. Absolument pas. On va pas se mentir, là. Côté de Kevin à un faux capitaine, un six, c'est fait avec du tape. C'est sûr, j'étais pas sûr. C'est un peu Dolorama. C'est un peu triste, tu sais, comme à son âge, un adulte, grown man, établi, obligé de faire des gagottes comme ça. Kevin, c'est pas grave, hein, on t'aime quand même.
Retrouve-nous chaque semaine et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne du Warm-Up.